On est bon, la voix est bonne. Yes. Bonjour les amis, comment allez-vous? On se retrouve pour la suite du Resident Evil 6. On est enfin plus dans le bureau de Raccoon City, mais on est où déjà, putain? Merde. Putain, je connais plus les touches, les gars. Ok. Alors, on est dans la partie souterraine et on était autrefois dans le commissariat. Encore une fois, merci à ceux qui m'ont aidé à avancer sur ce let's play. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, on a fait notre premier live. Du coup, on a fait deux lives. Un samedi de 18h à 21h et un dimanche de 15h à 20h à peu près. 20h ou 21h. Donc, voilà, c'était vraiment bien. Je suis très content. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas vu pour x, y raison que je faisais des lives, je. Ta gueule! Je disais, pour ceux qui n'ont pas vu que je faisais des lives, donc j'en fais en général, je vais plutôt en faire le samedi, je pense. Le samedi de 18h à 21h, je dirais que ce sera ce créneau-là que je prendrai. Et voilà, on fera des lives, je vous invite à venir. Il y a le lien du Twitch qui est dans la description tout le temps, il est sur le compte YouTube. Il y a le Discord qui est en lien, et en fait c'est sur le Discord que j'avertis comme quoi je vais faire un live. Parce qu'en fait, il y a un onglet communauté dispo sur YouTube, mais il faut avoir 1000 abonnés. Et j'ai pas 1000 abonnés, donc j'ai pas accès à cet onglet. Et cet onglet communauté, en fait, me permettra plus tard de vous prévenir dès que je ferai un live. Donc voilà, c'est tout pour les news, les amis. J'espère que la vidéo, elle vous plaira. Et je vous fais de gros bisous. Alors, du coup, ça enregistre, c'est parfait. Alors, du coup, on est parti, on avait sauvegardé ici. Alors, si mon jeu veut bien me donner des FPS, c'est cool. Donc, on avait sauvegardé ici. Oula, j'ai pas de FPS là. C'est quoi ce bordel? C'est bon, j'ai des FPS. Alors, il me semble que on était arrivé d'ici, justement. J'ai pas de FPS. J'ai vraiment l'impression d'avoir une perte de FPS énorme. Bon, c'est pas grave, c'est une impression. Vous le verrez pas, c'est moi quand je joue en fait. Monsieur, oui, c'est une trappe. Y a quelqu'un? Allô? Oui, bonjour. Vous sentez le screamer ou pas là? Rien qu'à l'odeur, je dirais qu'on est dans la merde. Allez, monsieur, une escalade. Oui, on fait du sport. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ok, donc là on est dans le parking, je présume. Partie souterraine. Ah oui, on est. Ok, on est de retour dans le commissariat, d'accord. Donc ça, c'est le parking du commissariat. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des choses déjà à récupérer ici? Ça, c'est un plateau de sushi, monsieur. Ça ne me dit rien qui vaille. Il y a des loups-garous. Arrêtez de me faire peur, putain! On peut ouvrir ou pas? On peut pas. J'en étais sûr, je l'ai vu venir, mais de tellement loin. Alors, du coup, on a deux armes. On a ça et on a le pompe où j'ai plus de balles, ouais. Ce qui me semblait. J'ai rien pour faire des balles dans le pompe. Non, j'ai rien pour faire des balles dans le pompe. Ok, donc j'ai que un pistolet à billes pour le moment. C'est un peu pénible. Insérer une carte. Bon, j'ai dans le fion. Merde. Il me faut la carte. Enculé, il m'a fait peur, ce bâtard là! Enculé! Oh, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai, il m'a vraiment fait peur. Quelle victime. Tu vas me lâcher! Non, j'ai pas envie! Il y a quelqu'un qui va m'aider, voilà, j'en étais sûr. Je l'ai vu venir. Salut! Qui êtes-vous? Je suis ta mère! Attention! Oui, bien sûr. Prends-moi pour un débile. Elle veut te sauver la vie, frère, lui braque pas le flingue. Ça. Ah ouais, ferme ta bouche. FBI. FBI. Désolé. Merci. Mais putain, mais il pète les couilles ce chien de merde là! Pour votre aide. Me demande comment t'as survécu. FBI, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, cette information est confidentielle. Ouais, mais vous allez où? Mais qu'est-ce, putain. Un conseil pour ton bien. Ne pose pas de questions et fiche le camp d'ici. Non mais ça va pas être possible, madame, sinon je joue pas en fait. Moi j'ai payé pour rien si on fait ce que vous dites. J'ai acheté le jeu vidéo, alors je vais jouer! Hé! Hey, mais qu'est-ce que je dois faire?
Te mettre un doigt dans le cul et siffler, mon ami. Bon, maintenant que c'est en vert, ça veut dire qu'on peut ouvrir. En fait, il me fallait juste ce moment où, j'ai le droit de me chier dessus. Donc là, c'est en rouge, je suppose que c'est encore fermé. On voit une porte en verte là qui n'est pas là. Arrêtez de me faire peur. Merci. Putain de merde. Les gars, est-ce que je dois aller par là, là? Attends. Là, elle a ouvert cette porte. Et l'exploration ici, elle est pas terminée, mais j'ai ça à faire. Elle a ouvert cette porte. Du coup, on va quand même explorer ici, parce que j'aime pas suivre les personnes qui disent hey, « viens par là, c'est l'objectif !» J'aime pas ceux qui font ça. Alors, si vous pouvez avoir juste un tout petit peu moins de lumière, hein, parce que je vois trop... Oh. Bah oui, une boîte en métal, mais d'accord, mais... Non mais putain, je vais la fouiller, bordel de merde. Ouvre. Merci. Oui, très très abîmé même. Oh putain, mais les gars. Ok. D'accord. Il y a une caisse qu'on va pouvoir ouvrir dans le parking, ça c'est intéressant à savoir. Une note. Destruction de l'équipement. Objet à détruire, clé du véhicule de patrouille, 7... Alors, 74-39, je retiens, je ne suis pas autiste cette fois-ci, donc la voiture 74-39, il faut l'ouvrir. Détail, clé pliée inutilisable, mais pouvant encore ouvrir les portières et les coffres de la voiture grâce au bouton. Ok. Ils ont vraiment mis ça en mode, genre, si jamais c'est Kadé qui fait le let's play, on sait qu'il est un peu teubé, donc on va l'aider, le pauvre. Message de Monsieur Raccoon. Salut tout le monde, c'est votre copain du Zoo Raccoon City, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On dirait moi qui parle, c'est moi qui parle d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Vous connaissez les jouets Monsieur Raccoon? Eh bien, j'ai entendu dire que certains gardements les utilisaient pour s'entraîner au tir, et ça me rend très très triste. Les enfants ne feraient jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Et puis c'est très dangereux, alors ne faites pas ça. Attention aux zoos, à bientôt aux zoos plus tard. Ok, alors, je présume du coup que les objets Raccoon comme ça, il faut les shooter. Ça doit être un peu comme dans les autres Resident Evil, il y avait des petites... Ah mais sous, il y avait des petites figurines à shooter. Est-ce qu'il n'y en a pas là? Voilà. Pauvre bête. J'ai eu un succès du coup à droite là qui s'affiche pas pour vous. J'ai eu le succès pauvre bête. Ok, on retrouve cette fameuse clé là qu'on n'a pas encore trouvée. Donc ça veut dire qu'il y a déjà deux portes qui sont... Il m'a fait peur. Ils vont clairement se réveiller hein, qu'on se le dise. Ah ouais frère, j'ai pris ça, c'est terminé. Non, je m'en vais. Oh, il y avait une poubelle. Il y avait pas un truc, non. Ok. Est-ce qu'on a fini de le fouiller ou pas? Stand de tir, ok. On l'a fouillé. Donc ouais, j'ai compris que les trucs en bleu, quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est fouillé. Donc là, par exemple, cette partie, on n'a plus rien à chercher dedans. Et celle-là, on a encore des choses à trouver dedans. Ok. Alors, donc là, c'est fermé. On va vérifier. Ça m'a fait peur. On va vérifier, mais ça a l'air d'être le bail. Ok. Attendez. Ça me déplaît profondément, ce bruit. Hein. Non, mais monsieur Snoop Dogg, vous allez arrêter de me faire chier. Oh là là, je rentre dans les emmerdes. Plante bleue. Qu'est-ce que c'est? Une plante bleue native des montagnes d'Arc et elle peut servir à éliminer les toxines de votre corps. Oh, j'ai compris. Ces bâtards de chiens, quand ils te mordent, ils te filent un truc toxique. Arrête de te fermer. Donc on sait d'où ils viennent les clébards. Il y a un petit château. Non, mais... Comme tu dis, oui. Ok, donc là, c'est pas fouillé, je suppose. Bien sûr que non. Le chenil. Quelle bonne idée. J'ai quoi sur moi? J'ai une grenade. Bon, un couteau mort, une grenade et une flash. Je pense que la flash sera plus efficace contre eux. Je pense que la flash sera plus efficace. Ah
jaune. Yeah. Alors, hop, tac, 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 balle de pompe, ça c'est fait. Tac, balle de pompe, ça c'est fait. Non, c'est pas ce que tu veux faire. Arrête. Hop. Hop. Il y a d'autres choses à prendre ou pas? On va vérifier. Il n'y a plus rien à prendre, c'est parfait, on va pouvoir se casser très très loin de ce lieu hanté. Je m'en vais. Oh, ça, ces ouvertures d'enfoirés, c'est pour eux, c'est sûr. Ah, les portes me font peur. Attends, mec, je peux tout ouvrir, là? Ouah, ça sent la mauvaise blague, ça. Ok. Oh, c'est bloqué ou... Oh, c'est bloqué, les bâtards. Y'a personne là. J'ai essayé de m'accroupir avec contrôle. Ok, on en a combien de temps? On en a 9 minutes. 9 minutes déjà? Oh, ça va beaucoup trop vite. Mais putain, mais ouvrez-vous, bordel! Je peux pas ouvrir plus. Ça m'emmerde. Ah! C'est quoi ça? Ah, elles sont démoniaques, ces blattes de merde! Tu peux... Monsieur, vous êtes en train de me tendre? Merci. Oh! C'est pour la demande en mariage, monsieur? Allez, on y va. Plante rouge, il y en a peut-être qui utilisent lesquelles, ok. Donc celle-là, on peut, je suppose, la combiner avec l'autre. Tac. Ok. Rouge plus bleu. Parce que j'ai fait ça parce que j'en avais déjà une. Hein. Ça réduit les dégâts subis et protège temporairement contre le poison. Ok. C'est plutôt... Toi, t'es un bâtard, toi. Ouais, mec, mais c'est pas possible, c'est quasi qui s'ouvre pas, là. Rapport d'autopsie. Nom du défunt, Justin Hansen. Observation, retrouvé mort dans sa cellule par les gardiens. Les poings sont encore serrés par la rigidité cadavérique qui disparaîtra vite. Il est sans doute mort peu après l'extinction des feux. Le défunt était un kleptomane notoire, incarcéré à de nombreuses reprises. Il a même continué à voler en prison, ce qui, bien qu'étonnant, confirme son diagnostic clinique. Ok, on parle de lui, là? Je le sens pas, lui. Il est tellement vivant, les gars, c'est terrible. Je vais le re-rentrer, lui, hein. Vous excuserez ma méfiance, mais je me dis que c'est une erreur. Okay, donc là, je suppose qu'ils vont me dire que c'est la morgue, ouais. Tac, donc encore avoir des choses à récupérer. L'autre, il va se lever derrière ce fils d'up. Je le vois venir. Là, je vais ouvrir le dernier truc, il va... Ouais, j'ai pas ouvert complètement parce que je... Waouh. Je peux pas. Faut que ce soit de l'autre côté, je suppose. Oh ! Magnifique. Enculé de fils de pute de merde ! Tu vois lui là ? Si vous voulez mon avis, j'ai vraiment très bien fait de refermer les casiers. Bâtard, bah. Je pense que j'ai vraiment bien fait. Franchement, vous me direz dans les commentaires si vous savez que ça sert à rien ce que j'ai fait. Mais là, je pense que j'y crois. Je crois profondément à l'utilité de mon acte. Vraiment. Oh. Oh, c'est fermé. Attends, je suis complètement baisé pour repasser ou pas? Non, c'est bon, attends. Il me faut la manivelle et je l'ai pas! Putain. Alors, dites-moi dans les commentaires si la manivelle, je l'ai juste passée en fait. Genre, j'aurais pu la voir et je l'ai pas eu. Ou pas. Je sens qu'on va repasser là et les chiens ils vont faire ouf ouf, on a trouvé la force de sortir! Morgue, c'est bon, on a tout trouvé. J'ai bien fait de fermer les trucs. Aucun regret, les gars. Sortez pas! C'est bon. Ah, ça j'ai oublié de le faire. Je pense que ça vous stressait depuis tout à l'heure, donc je recharge pas le pompe. Voilà, je le fais. J'avais oublié. C'est quoi qui fait ce bruit?
Ok, tout ça a été fait, c'est bon. On peut repartir dans l'autre zone. Alors, donc, la voiture numéro... Quelle voiture ça pourrait être? Vous pensez que c'est celle-là? Elle est au milieu, là, il n'y a rien à... La 236, et c'est les clés... C'est les clés de quelle voiture, on a dit? La 7449. Ok, hop. Wow, wow. Arrêtez! Oh. Cross. C'est pour le pompe? C'est pour le pompe, ça, les gars. D'accord. Je suppose c'est pour le pompe. Combiné. Va te faire foutre. Très bien. Bon, on va aller se faire mettre, hein. Ok, donc je suppose qu'on va se choper un fusil d'assaut ou un truc. Permet de tirer 3 balles à chaque pression sur la détente. Ah, mais c'est sur ça! Oh. Je suis pas sûr là de. Parce que là, j'ai retiré des éléments. Ok. Tac, je peux la recombiner. Ok. Nombreuse capacité, 24 coups, 9 mm. Je vais tester. Mais je suis pas sûr que le truc de tirer 24... Je vais m'éloigner. Attendez. Yeah, je ferme une porte. Hop. Je suis pas sûr du truc de tirer 3 balles d'affilée. Je suis pas sûr que ça me plaise. J'aime pas trop les armes à... J'aime pas trop les armes à rafale en règle générale. J'ai l'impression de perdre un peu en contrôle sur l'arme. C'est-à-dire que je préfère soit du full auto, soit du coup par coup. Et là... Ah, en fait, si, je préfère, juste. Ah si, clairement, en fait, je préfère. Genre, le curseur devient petit beaucoup plus vite, en fait. C'est juste mieux. Ok, parfait. Donc, on a pu trouver ça. Est-ce que c'est tout ce qu'il y avait à trouver, ici? Ouais, c'est tout ce qu'il y avait à trouver. Donc, et vous voyez, on en revient à l'utilité de ne pas foncer tête baissée dans les let's play. C'est que là, du coup, on peut aller suivre la madame, alors que si on l'avait pas fait... Enfin, si on peut suivre la madame maintenant, alors que si on n'avait pas fouillé tout ça, on saurait pas... Il y a un truc qui est passé à gauche ou je les ai lus? On n'aurait pas pu tomber sur tout ça. Bon, je vais partir de cet endroit avec des bruits beaucoup trop stressants pour ma personne. Avant de faire un infarctus. On est à 16 minutes de rec. Ok, des fameuses. Ça, c'est super. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à fouiller? J'aime pas le fait que mon inventaire soit plein. Ça me fait un peu chier, j'admets. J'ai rien à combiner avec? Non. J'ai rien... Et deux objets pour ce heal, je sais pas. Hein. J'ai pas envie de la jeter, la clé, même s'il me marque truc. Je suis quelqu'un d'assez... J'aime bien garder les souvenirs, si je puis dire. Parfait. Oh là là. Ok. Il faut qu'on trouve une manivelle, absolument. Il faut qu'on trouve une manivelle parce qu'il y a eu deux endroits comme ça, voire trois. Mais il me semble que c'est deux. Il y a eu un endroit dans le commissariat où il y avait une manivelle, je l'avais pas. Pour ouvrir une porte. Et là, pareil, ça nous amène à la salle du générateur. Donc je pense que c'est maintenant qu'on va tomber sur la manivelle. Enfin, maintenant. Pas là, maintenant. Mais dans quelques minutes. Toi, t'es un enculé, toi. Toi, je te vois venir. J'ai envie de lui tirer dessus, quelque part. Hein. J'ai pas aimé ce bruit. On va aller par là, d'abord. On va aller se faire foutre, d'abord. Lui, il va nous prendre un revers, hein. On est bien d'accord sur ça. Hein. Bonjour. Je peux ouvrir ou pas? Je peux pas. Ouais, bon, je peux ouvrir aucune porte. Je peux ouvrir aucune porte. Aucune porte. Zop! Oh, il m'a fait peur. Si je me mets là, je suis en danger ou pas? Pas du tout. To open shutter. Ok, donc c'est pour ouvrir tout. Je pense que c'est rentable d'ouvrir. Parce que doit y avoir des objets à l'intérieur. Je peux pas ouvrir celle-là non plus. Ni celle-là. Ouais, je peux rien ouvrir sans les... Une cinématique surprenante. Oui, il y a quelqu'un. Ah, j'y crois pas. Un vrai humain. Ouais. Ah. Salut l'humain. Depuis quand vous êtes là? Ah, trop longtemps. On est les derniers survivants? Non, non, il y en a d'autres. Ah, c'est tant mieux, j'imagine. Ouais. Sauf si c'est Irons qui t'envoie. Irons, le chef de la police? Il est encore ici? On s'en fout.
Avec un peu de chance, il s'est déjà fait bouffer. Quoi, comment ça? C'est l'enfoiré qui m'a enfermé ici. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. C'est vrai. Fume, fume. J'étais sur le point de balancer ses magouilles. Ah! Il fait la même chose, j'imagine. Je te propose un marché. Libère-moi et je te donne ça. C'est le seul moyen de sortir du parking. Crois-moi. Désolé, je peux pas faire ça. Je dois d'abord parler... Mais arrête, frère! T'as une apocalypse zombie, ferme ta gueule! On est deux pris au piège ici. Donc, soit on fait un effort et on s'entraide, soit... Eh merde, il arrive. Quoi? Qu'est-ce qui arrive? Allez, allez, fais pas le con. T'as besoin de ça. Fais-moi sortir de ce putain de trou! Ah! Oh mon dieu. Ah, comme tu dis, oui. C'est Mister X. Qui est là? Ce n'est que moi. Alors range ton arme. Elle a plus de crosse son arme d'un coup là, Léon. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Tout est allé si vite. Dommage, je l'aimais bien ce mec. À moins que tu ne veuilles finir comme Ben. C'était qui? C'était un indique. Il avait quelques informations utiles à mon enquête. Donc ce qu'il disait était vrai? Hé, hey, arrêtez de me laisser en plan comme ça. Je connais même pas votre nom. Moi, c'est Léon Kennedy. Moi, c'est Okumonaki qui est là-bas. Trouve un moyen de sortir, Léon. C'était super raciste. Tant qu'il y a encore temps. Ensuite, on verra. Moi, c'est Ada. J'étais pas loin. C'est faux. J'étais très loin. Marché conclu, Ada. Oh, t'es un bâtard, Léon. Hein. C'est vraiment un chien. Ah, quelle horreur. Non, moi, je kiffe, perso. Je trouve qu'il y a rien de bizarre. Bah oui, mais putain, me fait chier. Ok. Y aurait pas un coffre pas loin que j'arrête de... Ouais! Tiens, casse-toi la clé, c'est pas... Oh shit. Bon. C'était un... Ouais, je fais comme si je l'avais dans le... Dans l'inventaire. Hein. Ce panneau électrique est HS. Qu'est-ce que... Est-ce que le responsable pourrait régler ça vite? Tout le monde doit le savoir, mais vu l'âge du panneau électrique des cellules, on va avoir besoin de pièces de plus de panneau. Il doit y avoir une salle du générateur, la fameuse qu'on ne pouvait pas ouvrir jusque-là. Addendum. On me signale qu'il n'y a qu'une seule de ces pièces dans la salle du générateur. Le type venu réparer la cloche dans la tour de l'horloge doit en avoir une autre. Il faut que quelqu'un lui pique, lui demande gentiment. C'est marrant d'écrire E sur un écrit. Ok, alors, première chose qu'on va faire. Monsieur, vous m'avez l'air un peu fatigué. Vous devriez essayer de trouver du repos, je ne sais pas. Ouais, bon, ok. Bon, faut que je presse ça, en fait. C'est pas un choix, c'est juste une obligation. Oh, y a pas d'électricité. Oh. Oh, ça m'étonne peu. Au moment où... Toi, ta gueule. Au moment où il faudra les ouvrir, il faudra... Faudra faire... Faudra qu'on les tue avant qu'ils sortent, en fait. C'est-à-dire qu'on les tuera et après on ouvrira. Parce que sinon, on va juste prendre des risques qui servent à rien. Ok. On a combien de temps? On en est à 22 minutes. Je vais aller faire une sauvegarde rapide. Au fond des chiottes! Tac. Hop. Je vais mettre les trucs dans l'inventaire. Alors, la fameuse clé déposée. Quoi d'autre? Donc quand il y a ce signe-là, il me semble que ça veut dire qu'il me sert plus, hein. Que c'est terminé, j'en ai plus besoin. Quoi d'autre? Bah ça m'a l'air bon, hein, pour le reste. La clé, il faut que je la garde. Je vais garder deux objets de soins, quand même. C'est pas dégueu. Non, ça m'a l'air bon. Ok. Hop, et du coup, on va faire la sauvegarde. Tac, tac, et voilà. Bon les amis, c'est la partie la plus courte qu'on a fait. Je veux pas repartir faire des trucs là dans cette partie parce que sinon le let's play va durer 25 ans. Je le ferai dans la partie d'après.
Donc j'espère que la vidéo elle vous a plu, même s'il est un peu courte. Je crois qu'on a fait 23 minutes. Elle est un peu plus courte que d'habitude, donc elle fera à peu près 25 minutes avec l'intro. J'espère quand même que ça vous a plu. Je vous fais de gros zoubis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de venir sur le Discord, de venir sur les lives, de venir partout sur TikTok, même si c'est peu probable que vous m'ayez pas connu par TikTok. Mais voilà, n'hésitez pas à faire acte de votre présence où vous voulez. Laissez un commentaire, laissez un pouce, venez rejoindre nous sur Discord. On est à peu près une centaine là actuellement. Et voilà, le but c'est qu'on soit plein pour faire plein de parties. Voilà, j'avais pas autre chose à vous dire. Donc je vous fais de gros bisous. On se retrouve très vite pour la partie 7 du coup de ce Let's Play de Resident Evil 2. Merci d'avoir regardé. Je vous fais de gros bisous les amis. Au revoir.